Alors, il y a l'argile, la céramique. Je me suis un peu glissée vers la peinture à un moment. Mmh. Et bon, les plâtres, papier mâché, bronze et pierre. Tu fais ta forme et tu la finis bien. Tu peux la polir avec. Moi, je polis souvent mes pièces avec un caillou parce que je trouve que c'est plus joli les craquelures. Tu sais, quand je les fais pas, ça donne pas. C'est... Et après, je les sèche et il y a une première cuisson à 960-980 degrés. Et une fois qu'elles sont cuites, on émaille. On met l'émail et on recuit. Pareil, à peu près 24 heures, hein, dans les fours électriques, le temps que ça monte et que ça descend. Mais pour les ragoûts, ça dure 3 quarts d'heure, tu mets tes pièces, ça monte très vite à 900 et quelques, 980. Tu les sors et tu les mets dans la sûre pour que ça s'enfume et dans l'eau. Et ça c'est très vite, mais il faut plus de fois. Quand j'ai travaillé en Algérie, c'est là où j'ai compris que je pouvais faire la céramique n'importe où, parce que là, on n'avait ni four ni rien, tu vois. On allait chercher la terre dans les carrières, on la préparait, on faisait nos objets et on cuisait dans des feux, les fours primitifs. À Chili, j'avais commencé, mais après, il y a eu le coup d'État, on a été arrêté, mon mari l'a passé un an et demi dans 5 ans. Après, on a été expulsé et ici, il fallait survivre après. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, à 30 ans, je vais commencer à faire ce que j'ai envie de faire et pas que pour manger, tu vois. Et les jours de mes 30 ans, j'ai arrêté de bosser à temps complet, j'ai commencé à travailler mi-temps et j'ai commencé à faire la céramique. J'ai beaucoup regardé faire et après j'étais à une école de céramique en Espagne, à l'école de céramique de la Bisbal. J'allais tous les années faire des cours, mais bon, c'était pour... affiner la technique parce que j'avais déjà travaillé pendant pas mal de temps, je connaissais bien le travail de la terre. Moi j'étais très, très inspirée au début par la céramique précolombienne. Et je n'émaillais pas mes pièces avant, je les polissais comme on faisait à l'époque. Et petit à petit, tu sais, j'essaye beaucoup, je fais des trucs illogiques en terre. Et si ça marche, je les montre, si ça ne marche pas, je les cache, je les jette. Mais j'essaye beaucoup. Non, je parle. Mes formes ont toujours été à peu près la même pareille. Hein. Après, je rajoute ou je change de couleur. Et là, j'enseigne depuis 1995. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que je me suis aperçue que j'ai des élèves à qui j'apporte quelque chose, qui sont venus pour s'amuser, que finalement ils sont aussi mordus que moi, tu vois. Et là on est en train de voir si on peut se construire un four dans la maison de l'une de mes élèves. Pas souvent, mais s'il faut casser, je casse. Hein. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'aime des enfants. J'ai des élèves enfants aussi. Les enfants, si ça ne leur plaît pas, ils ne les gardent pas. Nous, on a tendance à aimer. Mm-hmm. J'ai gardé toutes mes sculptures, c'était des boudins, vraiment, tu sais, au début. Là, quand j'ai déménagé, je les ai mis à la poubelle, mais pendant des années, je les trouvais belles. Bon, c'était... Et les enfants, non. Anna, je ne vais pas amener ça chez moi, ça ne me plaît pas. Bon. Ça, je trouve génial. Il faut profiter quand on est inspiré, parce que ce n'est pas tout le temps non plus qu'on peut faire, tu vois. Et quand on a envie, vraiment. Et je le vois, mes élèves, c'est pareil. Hein. Il y en a qui vont à l'atelier, je suis sûre, juste pour s'évader du reste, et qui sont là, en train de faire leurs pièces et dedans, tu vois. Et pour moi, c'est pareil.
En fait, j'aime beaucoup la peinture abstraite, mais à chaque fois que je veux faire de l'abstraction, j'ai des petits bonhommes qui sortent malgré moi, donc je les laisse, quoi. C'est un truc, c'est comme ça, hein, je peux pas faire autrement. Ça raconte une petite histoire. Mes bonhommes racontent toujours une petite histoire. Tu vois, là, ils essayent de franchir les obstacles, ils grimpent au sommet. Ils veulent tous aller au sommet de quelque chose, quoi, tu vois. Là, par exemple, je pensais à une rencontre, donc bah, ils se rencontrent, là, ils sont deux, ils se rencontrent. Ils se disent bonjour, là, peut-être que là, j'avais peut-être un petit coup de cafard, alors c'était vraiment tout seul, quoi. C'est la solitude incarnée. Voilà, tu vois, c'est des petites choses qui viennent comme ça, un petit peu... mais qui sont pas quand même anodines. Là, peut-être qu'ils sont deux, et puis celui-là, il est pas trop content parce qu'il est tout seul, donc il rebrousse un peu chemin, quoi, il les laisse. Oh, c'est mes petites histoires, oui, l'histoire, elle vient comme ça, tout d'un coup, là. Ils sont contents de se retrouver au sommet, donc, voilà, je pense qu'il y a un couple et un enfant. Quand je fais un grand format comme ça, alors là, je balance de la peinture, j'y vais, quoi. Je balance des tubes, j'appuie sur des tubes, je jette des tubes. Oui, vraiment. Puis voilà. Puis après, je racle, si ça va pas bien, je racle. Là, j'étais un peu triste parce que j'avais perdu ma nièce quand j'ai fait ce tableau. D'où un personnage qui est là, dans un lit, et qui est pas très bien. J'ai lacéré le tableau d'un coup de couteau. Pouf, comme ça. J'ai mis du scotch derrière pour que ça tienne. Puis je l'ai appelé la faille. Voilà. Voilà, la faille, écrit, je l'ai même écrit. C'est pas forcément toujours, c'est un peu cérébral, mais quelquefois c'est plus tripal que cérébral. Alors, j'ai pas une culture légitime, de, tu vois ce que je veux dire, comme une culture légitime artistique, c'est un peu sauvage, quoi, c'est un peu... Oui, c'est sauvage. J'ai bien aimé tout ce qui concerne le mouvement Cobra, qui est un mouvement qui était très coloré, qui était une expression expressionniste, très libre. Il y avait Karl Appel, Corneille, Alechinski aussi, je crois, en a fait partie de ce mouvement-là. Je te dis, c'est assez éclectique parce que j'aime beaucoup de styles de peinture. Hein. J'aime bien les impressionnistes, j'aime bien Basquiat. Dubuffet, Raoul Schoenberg, Miguel Barceló, enfin tous ces gens-là, c'est des gens que j'aime bien, ils font tous une peinture complètement différente. Ce couple-là qui se regarde en chien de faïence, il veut bien dire ce qu'il veut dire, hein. Mais je sais pas trop faire de figuratif quand même, comme non, tu vois, ils ont pas de bras. Enfin, si je pense que si j'avais su dessiner, je leur aurais peut-être fait des bras. Celui-là. Celui-là. Il va falloir que je l'en colle sur les papiers comme ça. Alors, est-ce que ça c'est signé? Ça c'est signé. Ça. Moi, j'attache beaucoup d'importance au dessin. Pas vraiment comme discipline classique, mais le fait de pouvoir exprimer. De pouvoir s'exprimer par un petit croquis, une petite de s'exprimer avec l'utilisation du numérique, on perd la facilité qu'on développait avant pour écrire. La calligraphie, ça fait partie du dessin. Quand je dessine, je suis très concentré sur ce que j'ai fait. Mais il y a des moments qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on entre pratiquement en transe et tout le reste disparaît. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune... le monde extérieur de l'inspiration, mais c'est un moment où
La seule chose qui compte, c'est les résultats de ce qu'on est en train de faire, si ça marche, ça ne marche pas, et ça, on part dans une sorte d'extase. Si on peut, enfin, c'est pas toujours le cas, mais souvent, on entre dans des moments comme ça, dans la fabrication des choses. On a de plus en plus de difficultés à prendre un crayon ou à prendre une plume, enfin des choses simples, des instruments simples, pour s'exprimer. Et pour moi, le dessin, d'une certaine façon, c'est aussi ça. C'est aussi une réaction contre la sophistication de l'expression. Voilà. Ça, c'est mes outils préférés. C'est mes plumes. J'en ai beaucoup, hein, des plumes. J'ai vu, c'est... je vois des plumes. Ça, c'est mes outils préférés. Voilà, c'est des bambous, hein, c'est des simples bambous. Hein, ça, j'utilise ça, j'utilise des pinceaux, voilà. Ce qui manque justement, c'est ces moments où on est en production. Parce que ça, c'est, on est en apesanteur, je dirais. Hein? Et là, j'aimerais bien que ça arrive plus fréquemment, parce que c'est des moments très, très agréables à vivre. Il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait un intérêt, ce n'est pas réuni tout le temps. Il y a des longues périodes où je ne dessine pas. Mais c'est pas pour autant que je ne travaille pas sur ce que je peux produire, parce que dans mon travail, je passe beaucoup de temps à regarder, à voir des références, des documentations, etc. J'ai travaillé 5 ou 6 ans à gommer le travail la facilité du schéma. Ce travail typiquement d'architecte de faire 4 traits à une flèche et qui était c'est antique des architectes. Et comme moi, je me suis beaucoup servi. Moi, je prétends que tout le monde est dessinateur et que si on ne dessine pas, c'est parce qu'on a perdu cette faculté. Après, il y a la question du regard, de savoir regarder. Une des premières choses, c'est d'être sûr de regarder les choses et de ne pas les inventer à la place. Je suis sûr que la plupart des dessinateurs cherchent beaucoup avant de trouver, avant de... C'est pas une question de se faire la main, c'est une question d'être content avec... tu vois, c'est ça qui, quand on fait dans le numérique, est fantastique, c'est qu'on ne jette pas, on corrige. En fait, là, imaginons qu'il y a la partie gravée, où tu mets ton tu poses ta plaque. Normalement, tu dois mouiller ton papier. Hein. Ouais, il faut que le papier soit mouillé. Après essuyer, enfin, il faut qu'il soit humide. Donc, tu poses ton papier. Ça, c'est ce qu'on appelle des langes. D'accord. Ouais. Donc, hop. Et puis après, tu tournes ton rouleau. Bon, là, tu règles la pression, en fait, du rouleau. Et puis, alors, il faut de la force. Voilà. Et puis, normalement... Bon, il faut que je retire ce gros machin, tu vois. Bon, là, tu vois, il y a une empreinte. Hein, pour commencer. Voilà, alors, je sais pas si on peut voir. Ça, c'est tout ce que...
Voilà, c'est tout ce que je viens de faire. Voilà, toute cette partie au burin. Je vais un petit peu travailler avec le berceau. Voilà, sur cette partie, pour avoir des effets un peu plus noirs. Voilà. En fait, le dessin, je fais des détails. J'incise, mais de façon pas trop profonde, la plaque. En fait, c'est moi qui... Voilà, je décide d'inciser plus ou moins selon le résultat de ce que je veux avoir. La gravure va forcément évoluer pendant que tu la travailles, mais je sais que à tel endroit, je voudrais que ça soit plus noir qu'à tel endroit. C'est jamais totalement décidé, mais c'est pas flou non plus, quoi. Je sais que, tu vois, par exemple, pour celle-ci, là, je me rends compte que au niveau des graines, ça va, là, je suis plutôt satisfaite, mais par exemple, dans toute la partie droite, je voudrais que le bas à droite soit plus noir. Là, je voudrais que ça soit encore plus noir à gauche. Voilà, tu vois. Et je sais que quand j'aurai obtenu ça, la gravure sera finie. Sera bonne à être imprimée. Il y a toute une série de dessins comme celui-ci. On a, je crois qu'il doit y en avoir une cinquantaine. Je travaille beaucoup sur carnet avant d'aborder le carnet. En fait, bon, c'est mon petit laboratoire de recherche à moi. Hein. Et après, certains dessins que je juge vraiment aboutis, je peux les extraire du carnet. Comme je te disais, mes sources d'inspiration, il y a les graines, bon, il y a aussi beaucoup de lectures. Pour celle-ci, entre autres, il y a les graines, mais je me suis inspirée d'une toute petite phrase de Joseph Conrad, je crois, dans Au cœur des ténèbres. Tu sais, c'est qui a permis de faire le film Apocalypse Now. Donc, je me suis inspirée d'une phrase qui m'a... Enfin, tout de suite, tu vois, quand j'ai lu la phrase, je me suis dit, oh, ça y est, je le vois en gravure. Donc, j'ai extrait cette phrase et j'ai travaillé, entre autres, ces gravures-là, bon, avec le thème des graines, mais à partir de cette phrase qui, pour moi, a été évidente en gravure. De toute façon, je savais depuis toujours que je voulais faire de la peinture, de la gravure. J'avais dit à mes parents que je serais artiste, etc. Enfin, ça les inquiétait un peu. Ils m'avaient dit, bon, il faut que tu aies ton bac. Et voilà, donc ce que j'ai fait. Et après, voilà, j'ai fait mes études d'art. Mais comme je disais, c'était surtout des rencontres, donc ce prof de Beaux-Arts. Après, j'ai rencontré une graveur via une exposition et on est devenus amis et elle m'a surtout permis de... Enfin, j'ai appris la gravure avec elle et après, elle me prêtait son atelier. Donc, c'était formidable parce que j'avais accès... à une magnifique presse, à tous les outils. Enfin, tu vois, c'est surtout un, voilà, des gens en fait qui m'ont aidé d'une certaine manière dans mon parcours, qui m'ont permis d'avancer, qui petit à petit, voilà. Voilà, c'est un parcours, on va dire, je ne sais pas si on classique, je ne sais pas comment on peut dire.